Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du Silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Il danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leur vision du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Stéphane, j'ai actuellement 27 ans, je viens de la région centre. Dans ma famille, la personne qui compte le plus pour moi, c'est ma mère. On est assez fusionnels. Et voilà, enfin, j'ai des origines turco-italiennes. Et voilà. Est-ce que tu as des passions, des intérêts particuliers ? Énormément. Je suis quelqu'un qui se passionne de tout et n'importe quoi, un curieux qui a sans cesse besoin d'apprendre des choses. Mais si je pouvais les résumer en 4 ou 5 blocs, je dirais que ce serait voilà, apprendre le sport, les voyages et la création. Je me lance dans toutes sortes de projets qui aboutissent non, mais j'adore essayer et faire des choses, me diversifier. Et ça fait partie des choses en fait qui me font sentir vivant et aimer la vie. Si tu choisissais une couleur, quelle couleur tu choisirais ? Alors il y a deux couleurs qui prédominent pour moi. C'est même si on souvent dit que c'est pas forcément une couleur, ce serait le noir pour plusieurs raisons. Enfin, j'ai toujours été attiré par cette couleur. Je trouve qu'elle représente énormément de choses. Il y a beaucoup de sens en fait. Juste le fin, la couleur noire a énormément de signification. Sans forcément qu'elle soit négative ou ce genre de choses. Et le bleu, que j'aime beaucoup. Comme la couleur du ciel, le bleu, enfin, plus ou moins toutes les nuances de bleu, la couleur de la mer, enfin de l'océan, l'eau, le bleu quoi. Pareil, pour les mêmes raisons, il y a tout un tas de significations. Il y a des idées de liberté, d'évasion, de douceur aussi. Mmh. Et ça contrebalance un peu, quelque part, avec le noir, je trouve. Mmh. Et si tu choisissais une odeur ? Alors, pour une odeur, j'aime beaucoup l'odeur de la pluie, le pétrichor, je crois que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Et je pense que oui, ça. Enfin, j'aime beaucoup cette odeur en fait. J'aime beaucoup la sensation que ça procure en fait quand on l'aperçoit. Mm. C'est à la fois apaisant, parce qu'en fait, il y a l'idée que quand il pleut en fait, j'aime bien marcher sous la pluie ou être sous la pluie. Mm-hmm. En fait, ça y a une sensation très apaisante, l'eau sur moi. C'est comme si ça nous vidait en fait, ça nous lavait en fait de toutes les. D'éventuelles émotions négatives ou quoi que ce soit d'autre en fait. Mmh. Ça restart, reboot le cerveau, la machine, le corps, les connexions, etc. Je me sens lavé en fait, purifié, propre, après avoir pris une grosse saucée. Si tu choisissais une saveur ou un plat ? J'aime beaucoup ce qui est à base de châtaigne. Mmh. Ma compote de châtaigne, les yaourts à la châtaigne, tout ce qui est à base de châtaigne. Et la châtaigne tout court. Aussi. La châtaigne tout court, voilà. Enfin, je trouve ça super bon. Mmh. Et je sais pas, il y a quelque chose en fait, ça me fait penser un peu. En fait, il y a un côté un peu vieux, authentique, enfin je sais pas, c'est peut-être la couleur un peu marron ou le fait que c'est assez. Peu répandu, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Enfin, on trouve souvent, des senteurs fraises, framboises, citron, que ce soit dans les produits d'alimentation ou autres, mais rarement de la châtaigne ou ce genre de choses. Mmh. Et d'ailleurs, j'étais dans une ferme il y a quelques jours et ils avaient fait un yaourt au lait de leur ferme à la châtaigne. Wow. C'était super bon.
Si tu choisissais un endroit idéal, ça peut être réel ou imaginaire. Alors, un endroit idéal dans le réel, ce serait la montagne, une forêt à côté, un lac, une petite brume pas constante, mais vraiment pendant la matinée, un petit ciel ensoleillé la journée, et une nuit assez chaude et assez sombre aussi, avec des animaux. Le chant, des oiseaux, tout ce genre de choses. Enfin, j'aime énormément la nature. Ça me permet de me ressourcer, de penser, de réfléchir plus calmement en fait. Quand je suis en forêt, j'aime énormément me promener en forêt. Et ce genre d'endroit assez isolé, on va dire. Enfin, à notre époque surtout, où les gens y vont plus ou moins rarement. Et je m'y sens bien en fait. Je suis en fait, quand on entre dans la forêt, on est bien accueilli en fait, on est serein, sécurité, avec les arbres, les feuilles, Qui nous entoure. voilà, le crépitement du bois, etc. Alors, tout à l'heure, on a pris en photo un objet qui t'est précieux. Est-ce que tu peux le décrire et me donner les raisons pour lesquelles tu as choisi cet objet-là? Oui, alors cet objet c'est un pendentif contenant, d'après ce que j'ai compris, un morceau de prière qui m'a été offert par ma mère il y a de cela quelques années. On est très spirituel, ma mère et moi, et elle m'a offert ce cadeau en fait pour me protéger des mauvaises choses de la vie, des choses, enfin, c'est ce qui est assez classique en soi. Mais quand je le porte ou quand je l'ai sur moi, et je sais qu'inconsciemment ça me fait beaucoup de bien, et quand je l'ai pas, je suis là, ah mince, où est-ce qu'il est passé? Du coup, je vais avoir tendance un peu à le chercher. Quand je pars quelque part et que je me touche au niveau du cou et que je sens que je l'ai pas, ça me fait quand même quelque chose. Je me dis, ah mince, j'ai dû l'oublier, à moins qu'il soit dans mes affaires. Et souvent, c'est que je l'ai oublié chez moi, mais c'est très rare. Mais quand ça arrive, justement. Parce que j'ai eu l'habitude de le porter tout le temps. Même pendant un moment, je le portais quand j'allais me doucher, quand j'allais dormir et tout. Donc c'est un pendentif en cuir, mais je pense que le papier à l'intérieur il est un peu attaqué quoi. Il a peut-être pris cher. Voilà. Mais ça c'est la chose la plus précieuse que j'ai en objet, je pense. Parce que ça représente le lien que tu as avec ta maman. Peut-être bien, mais peut-être aussi, je sais pas, ça pourrait concentrer peut-être ma spiritualité de manière matérielle, même si l'immatériel en fait ça me parle beaucoup plus. Enfin, le fait de tout que tout soit un peu, enfin, pas palpable quoi, non tangible. J'aime bien cette idée-là, des notions métaphysiques, que ce soit sur la réflexion philosophique ou autre. Est-ce que tu peux me raconter un de tes souvenirs le plus marquant? Peu importe l'âge ou autre. Alors, un souvenir marquant. Je réfléchis, quelque chose de marquant. En fait, il peut être bon ou mauvais, mais on a tendance à retenir plus les mauvais souvenirs. Probablement pour se prévenir des prochaines confrontations, plus ou Ouais, moins en lien. le cerveau fait bien son taf. Voilà, c'est ça. Il met des balises. Oui. Mais du coup, en souvenir, qu'est-ce que je pourrais. Actuellement, enfin, j'ai pas de souvenir marquant. Enfin, je dois en avoir, certainement. Mais là, actuellement, je réfléchis. Un souvenir marquant. Ça peut partir du yaourt que tu as mangé. Ouais. Quelque chose. Bien, je dirais que c'était pendant une de mes pérégrinations en forêt. Quand j'étais tombé en fait sur un renard et on a eu un contact visuel pendant quelques instants.
C'est que, enfin, on pourrait dire que peut-être qu'il m'identifiait, enfin, il se posait peut-être pas mal de questions, ou peut-être que pas du tout. Il se disait, est-ce que je peux, on peut me manger ou pas, peut-être, je ne sais pas. Et en fait, c'était assez, il y a quelque chose de touchant, en fait, dans le sens, de croiser, en fait, le regard d'un animal sauvage. Pour moi, parce que, encore une fois, l'amour de la nature, l'esprit assez sauvage, vagabond, volatile, ça me parle énormément. Donc voilà, c'était vraiment. C'était plutôt marquant, si je dois dire. Et puis je l'ai regardé s'en aller. Voilà. Il y a un instant en fait comme de privilège quoi aussi. C'est ça. C'est exactement ça en Un fait. instant privilégié avec Voilà. l'animal. Après m'être enfoncé dans la forêt, ben, du coup il m'est apparu quoi. Est-ce qu'il y a des choses dans ce monde qui te révoltent? Énormément, énormément, plus que je ne pourrais les citer ici, mais je crois que bah je pourrais condenser ça dans ce qu'on appelle plus ou moins c'est plus ou moins nuancé ou à tort et à travers l'injustice en fait. J'ai vraiment une aversion pour ça. Je déteste voir des gens profiter ou blesser des personnes intentionnellement, avec aucune justification pour. Je déteste les, enfin oui voilà, enfin il y a beaucoup de énormément de conflits dans le monde, tous liés par des notions plus ou moins futiles, superficielles, mais qui peuvent être bonnes, mais seulement si justement elles sont entre guillemets respectueuses un minimum de d'autrui quoi, de l'autre. C'est je sais pas, ça va être les schémas classiques, ça va être les problèmes du tiers-monde, ça va être la politique, que ce soit dans notre pays, dans les pays on va dire développés, occidentalisés, ça va être le racisme, la discrimination sur une couleur de peau ou toute autre chose, tout type de discrimination. Je ne comprends pas en fait pourquoi les gens en fait sont mauvais les uns envers les autres pour être mauvais. C'est vraiment, on a l'impression qu'il n'y a aucun but, enfin si, il y a peut-être un but, mais aucune justification en fait pour, je ne sais pas, dans la rue on va voir une fille qui va passer et puis je sais pas, il y a une tierce personne qui va lui dire je sais pas, une méchanceté parce que elle porte une robe assez légère, ou parce qu'elle a un piercing, des cheveux colorés, ou toute autre chose. Enfin, je trouve ça stupide. Déjà parce que je trouve que la différence, c'est la plus grande richesse de l'humanité. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres façons de penser, de voir le monde différemment. Et je trouve ça vraiment voilà, stupide de d'être mauvais, et surtout pour en revenir à la différence, de souhaiter que le monde entier soit pareil, semblable, identique, Homogène. homogène, uniforme. Il n'y a aucun intérêt, c'est juste l'ennui. Si tout le monde se ressemblait, on n'aurait aucun intérêt à voyager ou à faire quoi que ce soit en fait. C'est clair. La vie n'aurait pas de sens quelque part, en tout cas pour moi. Quelles sont les choses les plus importantes que tu as appris de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites? De ça va être, enfin j'ai appris assez tôt en fait à ne compter que sur moi-même, parce que mon environnement fait que j'ai dû apprendre ça très vite, et que malgré tout, même si j'ai une opinion très négative sur le genre humain de manière générale, je sais qu'il y a des bonnes personnes qui existent, ou juste des personnes pas forcément bonnes, mais juste une neutralité qui est la bienvenue en fait. Elles sont ni forcément bonnes ou mauvaises, mais je veux dire qui ne sont pas mauvaises, purement mauvaises quoi, ou irréfléchies,
celles qui parlent sans savoir, qui jugent sans savoir, qui vont donner leur opinion sur des sujets parfois très durs, très complexes, sans savoir, sans même être impliqué, sans s'être renseigné, en pensant en pensant avoir la science infuse, comme on dit. Et si moi, il m'est peut-être arrivé d'agir ainsi, ou s'il m'arrive à l'avenir, ça ne sera jamais consciemment. Bah, j'imagine comme les autres, en tout cas j'espère, pour eux. Et parce que je suis quelqu'un qui est conscient du fait que justement, il y a des choses sur lesquelles je ne peux me prononcer, sinon qu'un peu, parce que je ne sais rien sur le sujet, ou presque rien. Et dans ce cas-là, je préconise l'écoute attentive avant de prendre la parole, même quelques jours plus tard, plusieurs mois plus tard, dans une affaire, un débat, un sujet de société ou non, pour éviter justement de dire des bêtises et de conduire l'humanité dans ce qui reste dans cette définition. En fait, à plus de non-sens, de mensonges, de négativité, de haine de l'autrui, d'autrui. Et je crois que c'est à peu près tout. Enfin voilà. Si je me suis dispersé, je sais plus trop, mais je crois que ça va. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir dans ce monde? Oui, beaucoup moins que pour les choses qui me rebutent, mais c'est vrai que par exemple quand je rencontre des personnes que je sens vraiment ouvertes d'esprit ou ce genre de choses, c'est en fait c'est un peu comme des petites étoiles en fait disons dans un espace sombre, noir, où tout n'est que obscurantisme, non-dit et d'autres choses négatives. Oui, ça me donne de l'espoir. Ensuite, il y a l'art et puis les raisons qui font que j'aime vivre, c'est-à-dire voilà, l'art, les voyages, le sport, apprendre, le fait de créer des choses. Tout ça me donne espoir dans le sens où en fait ça me procure autant de plaisir que manger, boire, dormir. C'est même devenu vital pour moi ces choses-là. C'est comparable à manger, boire, dormir. Et oui, ça me donne un peu d'espoir. Même si, par exemple, pour en revenir à la création, je peux mettre sur papier ou sur tout autre support des choses qui sont en général négatives, qui me permettent, je pense, quelque part de vider ces pensées de mon corps, de ma tête, et de passer à autre chose. Ce qui fait que il y a des moments où je vais être productif, on va dire, dans la créativité, et d'autres moins. Ça va dépendre de ce qui me passe par la tête. Et c'est vrai que généralement, je suis créatif avec les émotions négatives. Disons que, pour citer Kurt Cobain, merci pour le drame, j'en ai besoin pour mon art. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais transmettre aux futures générations? Encore une fois, énormément. Mais j'aime beaucoup le statut d'enfant. Pour moi, c'est la meilleure époque, le meilleur stade de l'être humain. En fait, c'est la meilleure époque, la meilleure période. Bien qu'à cet âge-là, on refuse de le penser ni de le croire. On veut grandir, on veut avoir 18 ans, faire ce qu'on veut, entre guillemets, etc., etc. Mais si on pouvait retourner en enfance, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes voudraient
voilà, revivre ces années-là. Et avec le regard d'adulte, en profiter beaucoup plus, je pense, que quand on est un enfant et qu'on découvre le monde, du coup, et qu'on apprend. Donc en fait, on n'a pas forcément l'idée, on se dit pas forcément, ah mais en fait, faut en profiter tant qu'on est un enfant de faire ci, ça. Parce que, bah, une fois adulte, ça sera plus compliqué. Même si c'est tout à fait possible. D'ailleurs, moi, les trois quarts du temps, j'ai, comme je dis souvent, j'ai entre 12 et 17 ans, si ce n'est entre 5 et 17 ans. Et c'est vraiment. Je suis un grand enfant, en fait, parce que je ne vois. Parce que c'est ma nature. Et parce que je ne vois pas d'intérêt à tirer la tronche, à être blasé tout le temps parce qu'on serait adulte. Et que. On ne peut pas faire certaines choses, alors que non, pas du tout. On peut faire ce qu'on veut et à n'importe quel âge. Donc voilà. Et parfois même plus quand on est adulte. Oui, tout à fait. Beaucoup plus même. Parce qu'il y a des rêves d'enfant qu'on ne pouvait pas forcément faire parce qu'on était enfant, pour plusieurs raisons. Et qu'une fois adulte, on peut beaucoup plus envisager. Qu'est-ce que tu as appris durant cette période de 2 ans de pandémie? Alors, j'ai appris, disons qu'en fait, j'apprends, enfin, vu que j'apprends un peu tous les jours, enfin, c'est même sûr, comment dire, je pense que ce que j'ai appris surtout, c'était le côté encore plus pas cool, disons, voilà, de l'homme dans tout ce qui a pu se passer, aux infos, assez anxiogènes pour certains, oppressantes. Toujours la guerre, toujours la pollution, toujours une différence sociale qui continue de croître et qui pousse les gens vers les extrêmes, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Tout mouvement pacifiste en fait semble être voué en fait à se terminer de manière plus ou moins violente. Pas forcément des pacifistes eux-mêmes, mais bah, quand on voit les protestations durement réprimées un peu partout dans le monde par la police qui agit souvent en tant que milice d'un président, entre guillemets, d'une oligarchie, d'une élite, enfin, alors que bah, leur rôle c'est de protéger et servir le peuple avant tout. Ces aspects d'abus aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Pouvoir, une Oui. manipulation, C'est vraiment. se rendre compte un peu plus encore, c'est ça? C'est Toujours ça en sur fait, soi-même. ce genre de choses. On les voit beaucoup plus à nu parce que Ouais. le monde s'est comme arrêté. Et c'est comme si on avait arrêté le monde justement. Et puis, comme si la Terre, ou le Covid, enfin, admettons que ce soit Mère Nature, enfin, c'est la nature quelque part, qui aurait arrêté la Terre pour sortir les gros projecteurs et regarder ce que vous faites. Sauf que, Nous, quoi. voilà, sauf que ça semble, on ne sait pas si ça a servi à quelque chose, dans le sens où, si au moins certains s'ils ont appris de cela, et de préférence des personnes qui pourront agir avec plus d'importance pour bah, empêcher la déchéance de notre espèce. Tenter d'apporter une certaine harmonie en fait entre les hommes et entre les hommes et la nature et le rapport aux choses, à toutes choses, peu importe qu'elles soient matérielles, immatérielles. Je trouve qu'en fait bien que il y a énormément, enfin, quand on est intéressé par exemple par les arts ou le savoir, la culture, on trouve des hommes et des femmes de pensée, on trouve d'autres personnes de pensée. Mais alors que si on vit dans une sorte de bulle hermétique, une routine assassine, que ce soit cérébralement ou physiquement, mais là je vais prendre le parti cérébral, où on est constamment englué, que ce soit à la télé, à la radio, aux informations des médias qui sont tout sauf, comment dire, intéressant, sinon
riche d'informations. Les gens, en fait, ne pensent plus par eux-mêmes. Peut-être que ça a toujours été ainsi, qu'il y a toujours eu une majorité de personnes qui ne pensaient pas par eux-mêmes, soit parce qu'elles ne s'en sentaient pas capables, qu'elles n'avaient pas conscience qu'elles le pouvaient, ou qu'elles étaient tellement enfermées dans un rythme plus ou moins effréné, que ce soit une routine type métro, boulot, dodo ou autre, qu'elles s'étaient anesthésiées en fait. Et les gens en fait, la majorité en fait, j'ai l'impression qu'ils ont oublié en fait ce que c'était qu'être en vie en fait. Ils n'ont pas le recul en fait pour savoir, enfin pour comprendre que la vie c'est quelque chose de très précieux et qu'en plus, c'est incroyable. Enfin, si on se pose 2 secondes et qu'on se dit, on regarde sa main, on regarde, on fait un mouvement des doigts, enfin, on s'observe. On comprend à quel point c'est exceptionnel la vie en fait. Tous les processus. Et pour en revenir à l'héritage que je voudrais laisser aux générations futures, bah, je dirais justement de ne pas oublier de vivre en fait, de comprendre ce que ça veut dire, ce que ça implique, et d'agir en conséquence, d'en profiter pour faire absolument ce qu'on a envie de faire, parce que on est tous mortels et que même si on était immortel, bah, cette vérité serait valable. Voilà, faut profiter de la vie. C'est un cadeau. On arrive un peu vers la fin. Quelle projection tu as de toi dans le futur? Ça peut être à 80 balais, 30 balais, 50. Alors en fait, peut-être qu'à une époque, j'arrivais à me projeter dans le futur, à voir. Où je serai dans 5, 10, 10 ans, ou même, je sais pas, 6 mois. Mais avec le temps et le fait que ma personnalité, enfin ma nature profonde, ressurgit pour m'accomplir, entre guillemets, me compléter, devenir la personne, voilà, ma nature, je ne pourrais pas dire où je pourrais être dans les mois ou années à venir. Je sais. À peu près ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Je ne sais pas où mes pas me mèneront en fait. J'ai pas mal d'idées de ce que j'aspire à faire ou être. Et j'aime beaucoup essayer des choses, saisir des opportunités quand elles se présentent. Donc je ne saurais vraiment répondre à cette question très justement, très précisément. Par contre, je pense qu'à un moment, j'aimerais bien me poser et peu importe mon parcours de vie, si il était très très riche en expérience ou pas du tout, juste écrire une sorte de mémoire. Peut-être parce que je pense qu'en tant qu'être humain et artiste, j'ai une. Ou juste en tant qu'être humain, j'ai en fait j'ai une sorte d'envie en fait de laisser une preuve du fait que j'existais, aussi éphémère qu'elle soit, ça se trouve, enfin de toute manière tout sera amené à disparaître, mais juste je sais pas, c'est peut-être mon ego qui parle, je ne sais pas, mais je ne veux pas en fait partir sans avoir laissé quelque chose, et quelque chose si possible d'intelligible, d'intelligent peut-être, voilà, qui pourra peut-être faire réfléchir ceux après moi. On part sur la dernière question. D'accord. Si on t'accordait 3 vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu? Ça peut être réel ou imaginaire. En fait, il y a 2 vœux qui me semblent, enfin qui me viennent tout de suite en tête, mais je ne sais pas si du coup ça provoquera en moi de la lassitude, c'est-à-dire que j'aimerais avoir la connaissance universelle, enfin tout savoir sur tout. Je ne parle pas des gens, je parle du savoir pur et dur.
1 plus 2 égale, enfin 1 égale 3, etc. etc. Les notions de l'univers, si on est totalement seul dans l'univers, s'il y a des multivers, ou combien une gazelle peut faire d'enfants au cours de sa vie, enfin, peu importe. Ce genre de savoir vraiment du plus petit et qui semble insignifiant au plus, aux questions les plus. Qui rongent l'humanité depuis des années, par des siècles, genre d'où venons-nous, etc. etc. Par exemple. Je voudrais être aussi du coup en ce sens, je voudrais être enfin dans la démarche de savoir, ce serait immortel en fait. Et là en fait, j'y vois un paradoxe parce que les raisons qui me font aimer la vie comme par exemple le savoir et ce que j'ai pu citer avant, si on me les donne directement comme le savoir universel, est-ce que je ne serais pas lassé? Est-ce que je ne passerai pas ma vie à errer simplement, mais errer sans réel objectif? Parce que l'errance, pour moi, c'est une chose très importante et ça me parle. D'ailleurs, il y a une phrase de Tolkien, l'écrivain qui a écrit, entre autres, Le Seigneur des Anneaux, qui dit « Tous ceux qui errent ne sont pas forcément perdus. » Et comme troisième vœu, je pense que j'aimerais avoir la possibilité d'apporter une harmonie en fait dans le monde, de faire en sorte que même si on ne pourra pas empêcher des conflits plus ou moins mineurs au sein des familles ou ce genre de choses, une harmonie dans un cadre beaucoup plus large, une échelle beaucoup plus vaste. J'irai pas jusqu'à dire l'univers, mais pourquoi pas. Où en fait, on pourrait vivre sans penser, enfin sans, voilà, sans que on apprenne. Oui, il y a eu des gens encore qui meurent de faim, des gens qui blessent ou tuent d'autres personnes pour des idéologies. Comme au nom du racisme, la discrimination ou d'autres idées. Et voilà en fait, hein, d'être en accord avec la nature et ce qui nous entoure, faire en sorte de pouvoir vivre en fait et faire prendre conscience aux gens de l'importance de la vie et qu'il n'y a pas. Et que la vie, en fait, ce n'est pas que des choses palpables, ce n'est pas ni même perceptible visuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas, je sais pas, faire aller au bureau, sortir, je sais pas, monter dans sa voiture, etc. Enfin, il y a des choses. En fait, il faudrait pouvoir se poser un petit peu de temps à autre et juste ressentir, pas tenter de percevoir dans ce sens, par l'esprit plutôt que par notre corps matériel, et prendre du recul avec les choses pour justement en fait se trouver et essayer de capter au mieux l'essence de ce qu'est la vie. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix.